Tous. Et non, aujourd'hui nous n'allons pas essayer ce volant. Nous n'allons pas non plus essayer ce volant. Voilà, qui est bien connu de chez Fanatec, le Porsche. Nous allons essayer le nouveau volant de chez Fanatec, le McLaren GT3. Donc j'en profite pour faire un point sur mon châssis, puisque ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc vous avez un gros PC avec une 1080 Ti, une grosse carte graphique évidemment. Vous avez trois sorties DisplayPort pour les trois écrans, voilà, qui sont ici sur un support que j'ai fabriqué moi-même. Et le châssis de base, lui, c'est le châssis de la marque GCL avec un siège OMP. Donc les écrans, je les ai, vous voyez que je les ai mis un petit peu derrière l'écran central, comme ça, ça me cache un petit peu la bande qui est déjà assez fine à la base, puisque vous voyez, elle est quand même fine la bande, mais au moins ça me cache un peu encore de l'image. Et puis donc la base V2.5 et puis le pédalier, le V3 de chez Fanatec, qui est un super pédalier, vraiment très efficace, et pour l'instant aucun problème de service après-vente. Tout va bien, il fonctionne très bien. Tiens, vous avez la référence de mes écrans ici, si ça vous intéresse. C'est du 1080p, mais c'est tout à fait suffisant. L'image est super sympa, et comme on a un grand angle avec le fait d'avoir trois écrans l'un à côté de l'autre, franchement, c'est vraiment excellent. J'ai un harnais également sur mon siège, donc ça peut paraître un petit peu gadget, un petit peu farfelu. Comme dirait ma femme, t'as peur de te retourner avec ta voiture, t'as peur de faire des tonneaux, c'est pour ça que t'as besoin d'un harnais. Donc mes plaisanteries mises à part, franchement, c'est assez sympa, parce que vous avez l'impression, une fois que vous le mettez, que vous êtes vraiment dans une voiture. En fait, ça trompe un peu votre cerveau. Vous êtes serré dans votre baquet, ça apporte à l'illusion de faire de la simulation. Voilà pour le point sur le châssis. Oui, il y a le son, faut pas oublier le son. Moi, c'est des enceintes Logitech, j'en ai deux à l'arrière. J'ai le caisson de basse qui est ici. Et puis l'enceinte centrale qui est entre les jambes qui est ici. Donc voilà pour ce setup. Et donc qui permet de faire l'essai de ce volant quand même dans d'excellentes conditions. Ce fameux volant McLaren GT3, le nouveau venu de la marque Fanatec. Attaquer le test direct, voilà, le volant, il est là, le McLaren GT3. Donc je vous avais dit au déballage que ça collait au niveau des prises en main, donc ça colle toujours un petit peu, mais à force de jouer avec, j'ai dû jouer environ
4-5 heures. À force de jouer avec, ça se patine un peu. Et du coup, c'est moins collant. Je pense que le fait que ce soit un petit peu collant comme ça, c'est volontaire de la part de Fanatec, puisque ça permet de vraiment bien le prendre en main. Donc, à mon avis, c'est fait un petit peu exprès. Donc, pour être tout à fait honnête, quand je l'ai sorti de la boîte, moi, ça me dérangeait beaucoup et je n'avais pas de bonnes sensations. Mais une fois qu'on roule avec, honnêtement, c'est plutôt agréable. Voilà, c'est pas trop rêche. C'est pas trop rêche. Et on l'oublie assez vite que ça colle un peu. Et le fait que ça colle un peu, bah, en fait, vous l'avez bien dans les mains. Les personnes qui jouent avec des gants, bah, eux, ils n'auront pas de soucis avec des gants. Voilà, ça tient vraiment bien dans la main. Et la prise en main, elle est agréable. Voilà, le pouce se place bien ici. Donc, c'est... Moi, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit, qui me semblait un peu rédhibitoire au début. Finalement, honnêtement, c'est pas si mal. Voilà, c'est plutôt... Ça colle encore un peu, hein. Vous voyez que là, quand je mets ma main, ça colle un petit peu. Mais c'est beaucoup moins fort que quand je l'avais sorti de la boîte. Et je pense que le fait de jouer avec y a fait pour beaucoup. Alors, j'ai fixé le Quick Release. Vous voyez, j'ai fixé le Quick Release qui était offert par la marque, mais que vous pouvez acheter séparément. Moi, il a été offert parce qu'il y a eu un retard dans la livraison. Et du coup, ils me l'ont offert. Vous pouvez l'acheter séparément pour une centaine d'euros. Donc, je viens de m'apercevoir d'une chose là, en le fixant sur ma base. Je ne sais pas si ça m'avait fait ça sur la base CSL Elite à Paris. Je vais voir quand je rentrerai sur Paris. Mais en fait, mon volant, quand je le fixe là, avec le Quick Release, regardez, il bouge. Vous voyez? Vous voyez, ça bouge. Donc, j'ai essayé avec le volant Porsche qui est ici. Voilà, qui a le même Quick Release, il a exactement le même Quick Release et ça fait exactement pareil. Alors je sais pas si ça faisait ça avant ou si c'est nouveau, mais voyez, regardez, ça bouge. Voilà, donc c'est vrai, c'est, voyez, regardez. Alors je sais pas si c'est normal, mais ça me semble quand même pas normal puisque j'ai pas l'impression que ça me faisait ça avant. Alors voilà, j'ai joué hier, et j'avais aucun problème, je n'ai pas du tout noté ça. Et là, ce matin, je suis revenu sur mon... Et puis j'ai ça. Voilà, regardez. Ça bouge. Pourtant, il est bien fixé. Hein. Le Quick Release, je l'ai mis à fond. Il est vraiment à fond. Il est bien fixé. Voilà, quelqu'un m'a dit qu'on pouvait mettre une vis. En plus, derrière, là, vous voyez qu'il y a un trou pour mettre une vis. Pour le fixer mieux, il faudra que je vois où est cette vis. Et si, en la mettant, ça ne bouge plus. En tout cas, ça bouge. Voilà, ça gêne pas. Ça gêne pas pour jouer. Puisque j'ai joué là ce matin et honnêtement, je m'en rends pas compte, quoi. Mais je pense pas que ce soit normal. Voilà, un volant comme ça qui est fixé avec un Quick Release, regardez. Regardez. Vous voyez, il bouge vraiment. Vous voyez, c'est pas léger, hein, ça bouge vraiment. Voilà. Bon, ben, si s'avère qu'il y a un souci, il va encore falloir que j'appelle Fanatec pour savoir. Et a priori, c'est pas un problème de Quick Release. Parce que ça serait un problème de Quick Release, ça ferait pas la même chose avec les deux volants qui ont exactement le même système d'attache. Puisque ça me fait exactement la même chose. Avec le volant Porsche, c'est pareil. Ça bouge de la même manière. Donc, ce n'est pas les volants qui sont... mis en cause, mais plutôt le moyeu de la base. Il a peut-être un défaut, j'en sais rien. Voilà, il va falloir creuser cet aspect-là. Donc, alors, une fois que... Donc, moi, j'essaye, là, vous voyez, je suis en train d'essayer sur Assetto Corsa. Donc, vous avez ici, ce qui est assez sympa avec le volant, c'est déjà le design. Vous voyez que le design est quand même assez agréable. Bon, moi, ça m'embête un petit peu qu'il y ait des touches Xbox. J'aurais préféré que ce soit des touches neutres, mais vous avez des petites capsules, des petits boutons à rajouter. Vous pouvez les mettre et du coup, vous cachez tout ça. Vous mettez du noir si ça vous embête, parce que ça fait un peu jouet du coup avec ces lettres et tout ça, avec des couleurs. Mais si vous voulez, vous mettez des... Voilà, et ça règle le problème. Au niveau du design, il est quand même sympa. Vous voyez que vous avez du rouge derrière le bouton, là, voyez. Vous voyez le rouge derrière. Franchement, c'est un petit détail assez agréable au niveau de la palette, là, qui est orange.
Je vais vous le mettre de l'autre côté. Voilà, ça sera un peu, ça paraît un peu criard, mais ça fait un petit design sympa. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Au niveau du LCD qui est ici, voilà, vous avez settings. Donc c'est toujours avec le petit machin qui est là. Hein. Voilà, settings. Hop. Vous avez. Alors ce qui change par rapport aux autres volants, c'est que vous avez le détail. Vous voyez, sans it. Alors que sur les autres, c'est pas aussi long en fait ce qui est écrit ici. Donc là, je suis en auto. Force feedback, vous voyez. Et donc quand on tourne le petit machin, on peut le tourner comme ça. Et ben on monte ou on descend le force feedback. Donc choc, pareil. Donc ça c'est un peu la même chose que sur les autres volants Fanatec. Donc j'en profite pour passer en revue mes réglages pour le jeu Assetto Corsa. Donc setting, donc je me mets en 7.2 et je mets en alors SEN, je mets automatique, force feedback 100, choc vibration 100, BR ABS, c'est l'ABS, je mets 100, drift M, je mets 1, force, je mets 50 et spring et damper, rien, off. Voilà. Et force effect intensity, je mets 40. Voilà, ça ce sont mes réglages pour Assetto Corsa. Et ce sont des réglages tout à fait sympathiques. C'est pas trop dur, pas trop mou. Et ça s'adapte à peu près à toutes les voitures. Alors après, moi, ce que je vous conseille, c'est de jouer uniquement sur ce petit machin qui est ici, qui est le Drift M. Vous mettez 1. Ça, plus vous allez monter, plus ça va assouplir la direction. Plus vous allez descendre en l'enlevant, plus ça va durcir la direction. Alors, vous avez quand même pas mal de boutons. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec le Xbox 9, là on ne peut pas vraiment s'en servir. Et ceux-là, bah, je ne sais pas trop à quoi ils servent, parce que quand on les tourne, ça ne fait pas un bouton dans le jeu. Bon, voilà, c'est faudrait creuser sur cette partie-là, mais vous avez quand même pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, ça va jusqu'à 12, donc 12 et 12, 24. Si ça pouvait être attribué à une fonction, ça serait top. Et là, j'ai pas l'impression qu'on puisse les attribuer. Parce que quand je tourne ces boutons, c'est le volant qui se met en orange. Vous voyez? Voilà. Donc, bon. Alors que quand ces petits boutons rouges-là, on peut faire bas ou haut, c'est le bouton 8 et 32. Voilà. Haut, c'est 8 et bas, c'est 32. Voilà. Hop, hop. Et de l'autre côté, pareil, le haut, c'est 7 et le bas, c'est 31. 7 et 31. Donc cela, on voit bien qu'on peut les attribuer. Voilà, on peut mettre rétroviseur, machin, on peut mettre augmenter la pression des freins. Alors, la particularité qu'il y a également avec ce volant, c'est que vous avez derrière deux palettes, deux rangées de palettes. Celle du haut, c'est pour passer les vitesses, qui est ici. Celle du bas, voilà, qui est ici. Il y en a une à droite, une à gauche. Donc vous avez les options qui sont ici au centre. Donc vous voyez, vous avez clutch bite point. Donc là, c'est le mode par défaut, le A. Ensuite, vous avez le B, c'est clutch plus handbrake, ça veut dire embrayage et frein à main. Et là, vous avez brake plus throttle, c'est frein plus accélérateur, ceux qui veulent jouer sans pédalier. Et là, c'est vous qui pouvez donner le bouton que vous voulez à ce que vous voulez. Vous voyez, quand j'appuie, hop, voilà, ça bouge ici. Donc vous pouvez, c'est le bouton 3. Le bouton 4, pardon, et le bouton 5. Donc, vous pouvez attribuer une fonction. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'utiliserai pas, je pense. Je ne l'ai pas utilisé. Le bouton par défaut A, c'est le système, vous savez, pour démarrer le plus vite possible votre voiture avec une vitesse prédéterminée. Sim Racing Girl a fait une vidéo sur cette partie du volant. Moi, c'est pareil. Je ne pense pas que je vais l'utiliser pour l'instant. Voilà, j'utilise le volant vraiment... Comme une roue F1, une roue proto F1. Et c'est l'intérêt de ce type de volant. Hein. Vous avez deux types de volants. Vous avez le volant rond. Voilà, le rond classique, parfois qui est un petit peu raboté sur le bas. Et puis, vous avez les roues qu'on appelle les roues proto typées F1. Et ce sont deux volants vraiment différents. On pourrait se dire, bah tiens, bah, moi, je garde qu'un seul volant. J'ai qu'un budget... assez réduit, je vais prendre qu'un seul volant, il me fera tous les jeux de Formule 1. Eh bien, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, j'ai joué pas mal avec ce volant McLaren. Et quand vous conduisez une monoplace avec ce type de volant ou une voiture groupe 1, c'est pas du tout pareil puisque la roue, elle est un petit peu plus directe, elle est un peu plus légère.
n'y a pas le cercle ici qui peut gêner la vision que vous avez là. Donc c'est aussi un élément supplémentaire qui fait que vous avez quelque chose qui est un peu plus nerveux qu'une roue qui est complète et qui fait tout le tour. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais honnêtement que voilà, moi j'ai toujours joué à tous mes jeux avec le même volant. Les jeux de F1, j'avais volant rond. Je sentais bien que c'était un peu différent parce que quand j'ai eu la roue de chez Thrustmaster, la TSPC Racer, qui est une roue F1 et que je jouais au jeu de F1 avec, je voyais bien qu'il y avait quand même une sacrée différence. C'est-à-dire qu'on voilà, on arrivait quand même à faire de meilleurs temps avec cette roue-là parce qu'elle était un peu plus directe, un peu plus nerveuse. Et du coup, les sensations n'étaient pas pareilles et on avait vraiment l'impression de piloter une monoplace. Alors qu'avec une roue ronde, bah, ça faisait un peu bizarre. Le but du jeu, quand on fait de la simulation, c'est de se rapprocher le plus possible de la réalité. Même si voilà, on ne pourra jamais être dans une Formule 1. Mais on se rapproche de la réalité plus les volants que vous avez sont proches du jeu auquel vous jouez. Vous jouez à des jeux de F1, vous jouez avec une roue F1. Là, cette roue-là, c'est la roue McLaren. Évidemment que les personnes qui font de la course vont jouer avec cette roue sur des jeux de F1, c'est évident. Alors, dans le jeu, je suis réglé. Avancé, voilà. Dans le jeu, retour de force, il est comme ça. Donc, il est gain 70%, filtre 0%, minimum force 0%, effet des bordures 0%, effet de la route 16%, effet de glisse 20%, ABS effect 8%. Je pense que l'ABS effect est un peu faible. Après, ici, c'est tout par défaut. Gamma, filtre, sensibilité de la vitesse, gamma des freins, tout est par défaut. Je pense que l'ABS effect est un peu faible. On peut le monter un peu, mais bon, moi, pour l'instant, c'est ces réglages-là qui me conviennent. Ça fonctionne tout à fait bien. On se retrouve donc maintenant directement sur le jeu avec la McLaren 650S GT3 sur le circuit de Mugello. Et donc, on va pouvoir tester un petit peu ce volant sur la piste et voir ce que ça donne. Thank you.
J'ai fait quelques tours du Mugello. Donc j'ai tourné en 1,53. Normalement sur ce circuit, je suis plutôt entre 1,49 et 1,50. Mais là, j'ai fait exprès de surconduire un petit peu pour tester le retour de force. Et donc c'est vrai que c'est tout à fait pas mal. Mais bon, je suis pas surpris puisqu'il est sur la base Club Sport de Fanatec, la V2.5. Et le retour de force, c'est beaucoup, beaucoup de la base. Le volant, lui, il retranscrit juste ce que communique la base. Et la base étant déjà de très bonne qualité, il n'y avait pas de raison que ce soit pas bon au niveau du retour de force. Après, ce qui est plutôt pas mal, c'est vrai, c'est que c'est très, très directif. Voilà, c'est vraiment directif. Vous voyez que vous avez les vitesses sur le compteur et le passage du rapport. Voilà, et donc vous avez vraiment quelque chose. Vous avez vu qu'à un moment donné, la voiture, elle partait un petit peu, elle survirait un petit peu, et j'ai pu la rattraper, j'ai pu la contrôler, ce qui est la preuve de la fiabilité du contrôle, du retour de force, et du fait qu'on peut vraiment agir sur une perte d'adhérence. Et ça, c'est vraiment assez sympa avec ce volant, puisque comme je vous le dis, c'est assez. La direction, elle est assez franche, donc on contrôle bien ses trajectoires. Au niveau de la prise en main, c'est vrai que c'est agréable finalement. J'ai pesté un petit peu contre ce côté un peu collant. Finalement, le fait que ce soit un petit peu collant, bah, vous tenez vraiment bien bien le volant dans vos mains. Et du coup, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense que c'est voulu par Fanatec puisque la conduite sur Proto et F1, c'est pas la même que sur du GT. Et là, pour le coup, on lâche jamais le volant, on lâche jamais une main. C'est tout le temps pratiquement de la palette. Vous voyez que là, j'ai fait, voilà, je suis parti un peu en tête à queue, mais la voiture, voilà, je l'ai rattrapée, elle est restée sur la piste. Hein, je suis pas parti tout de suite dans le décor. Et ça, je ne suis pas persuadé qu'avec une roue, avec l'autre roue, j'aurais eu le réflexe aussi rapide. C'est une question de rapidité de réaction. Et bon, il est très réactif ce volant. Donc voilà, n'hésitez pas sur vos commentaires à me poser des questions. S'il y a des choses que vous voulez savoir, que j'aurais éventuellement testé, je vous réponds. Je réponds très souvent aux commentaires. Assez rapidement d'ailleurs, donc profitez-en si vous avez des questions. Mais moi, finalement, je le trouve très très bien ce volant. Il a un beau design, très sympa. C'est un beau volant, ça on peut pas dire que le volant soit moche. J'ai été choqué par le côté un peu collant de la prise en main, mais finalement, j'en reviens. Je trouve que c'est pas dégueu. Et puis vous voyez, il est épais quoi. Ça fait qualitatif, hein. L'épaisseur du volant est qualitative. Au niveau des palettes, moi je suis un peu partagé. Elles sont très très courtes. Vous voyez, c'est très court. C'est tac 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 tac. Ça fait un bruit un peu sec. Quand il faut passer très souvent ces vitesses en Formule 1, je pense que ça pourrait peut-être me gêner, mais je sais pas parce que finalement, comme elles sont directes, on passe vite la vitesse. Vous voyez, c'est vraiment très. Voilà, c'est très, 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 très court, très sec. Très court, très sec. Mais bon, on s'y habitue. Moi, j'étais habitué à l'autre, le Porsche, où c'est beaucoup plus long. C'est pour ça que c'est un petit peu choquant quand on est habitué. Mais finalement, vous voyez, là, quand j'ai fait la piste, la Mugello, ça m'a pas gêné, quoi. Je ne me suis pas dit, tiens, les vitesses, ça me gêne. C'est bizarre. Donc les sensations n'ont rien à voir avec la PS4 et GT Sport. Là, clairement, le retour de force, c'est pas le même. Donc évidemment que quand on veut faire de la simu, du vrai sim racing, entre guillemets, bah, c'est le PC, quoi. Voilà, il n'y a pas à tergiverser, hein. Il faut passer au PC, il faut passer cette étape-là. C'est un petit peu plus de budget.
C'est plus de place aussi, parce que ça prend plus de place. Le triple écran, etc., bah, il faut avoir l'espace. Moi, c'est pour ça que je suis resté au 27 pouces, puisque 32 pouces, 40 pouces, c'est super. Mais bon, imaginez la place que ça prend, hein. Moi, vous voyez que ça prend bien la place au sol. Ça prend de la place, c'est de l'espace. Il faut avoir de la place pour pouvoir mettre ça. Parce que sinon, bah, vous n'avez pas la possibilité de. Vous voyez, moi, c'est dans un coin. Hein. Voilà. Finalement, la pièce étant tellement grande, c'est une chambre d'amis. La pièce est grande, donc forcément, vous avez largement la place de mettre ça dans un coin et de pouvoir avoir votre espace de sim racing. Mais c'est clair que si on compare à ce que je vis avec la PS4, avec GT Sport, et même Assetto Corsa sur PS4, le retour de force est nettement plus convaincant, c'est sûr, mais ça reste quand même en dessous du retour de force qu'on a sur un PC, avec un bon PC, et la base du Club Sport 2, la base Club Sport du Fanatec. Donc moi, je roule pas souvent avec la McLaren, j'aime pas tellement cette voiture, mais finalement, j'ai pris du plaisir là avec le volant. Finalement, je me suis amusé, je suis pas trop sorti. La voiture, elle se conduit pas mal. C'est vraiment une voiture sympathique. Alors que j'avais jamais trop accroché avec les autres volants avant. J'avais pas eu le réflexe de me dire, bah tiens, je vais essayer. J'avais essayé une fois, elle m'avait pas convaincu cette voiture. Mais là, on se prend au jeu. Hein, on se dit, on a le volant de la voiture, donc bah profitons-en. Et finalement, elle n'est pas si mauvaise que ça, cette petite voiture. C'est une très très bonne voiture. Très agréable à conduire finalement. Voilà, donc j'espère que ce test vous a plu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur peut-être mon problème finalement de, voyez, de fixation là, voyez, je suis pas sûr que ce soit normal. Franchement, le volant, vous voyez, il bouge. Ça m'a pas gêné là pour conduire tout ça. J'avais des bonnes informations. Le retour de force, ça vibrait pas, ça bougeait pas pendant que je conduisais, mais je suis pas sûr que ce soit normal. Ça bouge, c'est bizarre. Et les deux volants me font ça. Le Porsche aussi qui est là. Donc c'est pas un problème de quick release puisque les deux ont le même. Vous voyez, les deux ont le même quick release, c'est le même. Donc je pense que c'est plutôt un problème sur la base. Est-ce qu'il y a un souci au niveau de l'accroche de l'attache? Je ne sais pas. C'est à creuser et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Pour voir ce que ça peut être. Merci pour d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.